Eh bien bonsoir tout le monde et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et là vous vous posez très certainement la question, mais Jolat, qu'est-ce que tu nous fais à faire ta présentation debout? Eh bien déjà parce que j'ai reçu mon nouveau micro Blue Yeti X et ça fait plaisir. Et ça aurait été compliqué de faire ça avec mon autre micro. Mais aussi parce qu'il me donne une voix douce et chaleureuse. Mais également parce que c'est une vidéo très spéciale aujourd'hui. Est-ce que je dis ça à chaque début de vidéo? Je ne crois pas, donc c'est vraiment qu'elle est très spéciale. Mon dieu, je vais peut-être baisser un petit peu le gain parce que je vais vous abîmer les oreilles. Et oui mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons enfin ouvrir vos pires. Et vos pires quoi d'ailleurs? Écoutez, je mettrai 3 étoiles dans le titre. Vous me donnez un mot dans les commentaires pour cette série, ça me ferait extrêmement plaisir. Là, c'est le salon Halloween. Voilà, le salon même humour. Souvenez-vous dans la vidéo précédente, alors je sais qu'elle date un petit peu, je vous avais demandé de rejoindre le Discord, qui se trouve d'ailleurs dans la description. Venir me poser vos plus belles images, vos plus beaux textes, tout ce que vous voulez qui tourne autour de l'humour. Et bah voilà, on y est enfin. Par contre, juste avant les mecs, vous avez zappé les 3 dernières vidéos qu'on a faites sur la chaîne. Pourtant elles sont cool. Bon, après c'est un avis complètement subjectif, hein. Forcément, c'est mes vidéos, c'est moi qui les fais, c'est le meilleur. Je vous mets un lien en première ligne de description, même en commentaire épinglé. Je vous ai préparé une playlist des 3 dernières vidéos que vous avez manquées. Et en plus, il y a une carte Google Play à gagner. Sois le premier à la retrouver. Pour gagner cet argent. Vous n'oubliez pas bien sûr les likes, les potes, les petits commentaires pour me dire qui a rejoint le Discord, qui ne l'a pas encore rejoint, mais va bientôt le rejoindre. On ouvre vos pires, 3 étoiles, let's go. Wow, qu'est-ce que c'est que ça? Les gens ont cru que j'étais un acteur payé par le gouvernement. Cette invention, je l'ai donnée à l'humanité. Libéré, délibéré. Je ne déporterai plus jamais. ça c'est Théo qui nous a mis ça. Bah oui, voilà. Et t'es content de ta connerie, Théo? Oh, mais avant d'énerver ta femme, surtout réfléchis bien. Tu vois ce que je veux dire? Oui, on a tous vu ce qu'il voulait dire, le casse-noisette. Et vous aussi, n'hésitez pas à venir me mettre vos images pour un 3e épisode. Ça pourrait être cool si je vois qu'il y a plein de likes et tout, des petits commentaires. Je me ferai un plaisir de vous proposer une 3e partie. Qui sommes-nous? Des docteurs? Que voulons-nous? Rayeux. Ok, d'accord, ouais, en même temps ça c'est l'écriture d'un médecin total, hein. Comme quoi parfois c'est bien d'en avoir une petite. Alors moi je suis plutôt dans la merde parce que j'ai une grosse voiture. Donc c'est un petit peu pour compenser ma petite paire de lunettes. Alors celle-là elle est magnifique. Joueur GTX 1080, haha, personne ne peut me voir. Joueur GTX 660, haha, moi je peux. Elle est magnifique. En même temps, c'est trop vrai, quoi. C'est trop ça, je vous jure. Tu crois que tu vas être plus camouflé parce que t'as une 1080, mais celui qui a une GTX 660, il va te dégommer en vrai. Share.exe a stopped working. Vous savez, ça reprend le bug Windows un petit peu et tout. Je sais pas si vous voyez. Oh terrible, c'est Donald Trump en hamburger, avec des petites tomates pour la cravate, du jambon pour le visage. Franchement, j'adore. Apparemment, il y a 3 fois plus de gaz dans cette bouteille. Qui a mis ça? Ancien proverbe japonais, si vous ne pouvez pas lire le japonais, penchez la tête à droite. Vous avez l'air con. D'accord. Effectivement, ça marche. T'arrives à lire le japonais. Vous avez l'air con. Il doit certainement penser à sa maîtresse. Si en France, on atteint le plein emploi et qu'il y a 0% de chômage, alors les gars qui bossent à Pôle emploi seront au chômage. Donc, on n'aura pas 0% de chômage. Si en France, on atteint le plein emploi et qu'il y a 0% de chômage, alors les gars qui bossent à Pôle emploi seront au chômage. Donc, oui, c'est vrai. Il a raison. Ouais, bah oui, s'il y a plus de chômage, il n'y a plus de mecs qui bossent à Pôle emploi. Voilà. Et j'ai mis du temps à comprendre. Ça, c'est le genre de truc, mais c'est tout pourri, c'est complètement pété. Mais je sais pas pourquoi ça me fait rire, quoi. Je mélange, tu mélanges, il mélange, nous mélangeons. Ah putain, je vous jure. Alors des fois, il y a des gens qui croivent dans les commentaires. Est-ce que je viens vraiment de dire qu'il y a des gens qui croivent? Oui, du verbe croiver, tout à fait. Il y a des gens qui croient dans les commentaires que je prends de la drogue, que je prends des substances euphoriques avant de commencer mes vidéos. Non, je vous assure que franchement, rien me fait rire. Je ne prends aucune substance illégale avant de commencer mes vidéos, ni après d'ailleurs. Faut dire que moi, je suis le genre de mec, tu me regardes dans les yeux, tu me montres une cuillère, je vais rigoler. Ça craint, je vous jure. Je me fais rire tout seul. Allez, moyenne, celle-ci. Je pense qu'il faut avoir la référence. N'hésitez pas à me dire si vous avez compris dans les commentaires. Je pense qu'il y aura pas mal de personnes qui auront compris. N'hésitez pas, ceux qui ont compris, à expliquer dans les commentaires à ceux qui n'ont pas compris. La suite. Ah non, mais alors celle-ci, par contre, elle est tellement vraie, quoi. Votre enfant se fait manger par un chameau. Réponse A, vous allez le secourir. Ou bien la réponse B, vous prenez une photo. Marcel, est-ce que je peux demander exceptionnellement le super moite-moite? Bon, là, visiblement, il a choisi l'option B. Non, mais sérieux, c'est dingue. Je veux dire, dans la société, à l'heure actuelle, t'as
t'as un accident, t'as quelqu'un qui est en train de se noyer ou quoi, plutôt que de lui tendre la main, t'as tout le monde qui va sortir son téléphone, va prendre des photos, des vidéos. C'est vrai, il y a quand même quelqu'un qui a pris un gamin en train de se faire bouffer par un chameau en photo, quoi, plutôt que d'aller l'aider. Mimi Mathy a déjà 58 ans, ça passe vite, on ne l'a pas vu grandir. C'est vrai. Hey, ouais. Je m'en souviens encore quand je regardais ces épisodes de Joséphine Ange Gardien. Je regarde tout le temps d'ailleurs. Hein. Je crois que c'est le lundi que ça passe. Ou je sais plus, ça passe un petit peu tout le temps. Mais j'aime bien, franchement. C'est stylé. Dédicace, Mimi, si tu le regardes. Inquiète-toi pas, je suis qualifié pour conduire. Hey, tout petit. Ce genre de situation qui fait mal au cœur. En même temps, c'est tellement probable, tu sais. Elle est magnifique, franchement. D'ailleurs, n'hésitez pas à me rejoindre sur Snapchat. Je le mettrai, ça s'affichera à l'écran. N'hésitez pas à me rejoindre partout, d'ailleurs. Voilà à quoi ressemblent les bébés raies. On dirait des aliens pris au piège dans des raviolis. Ah ouais, franchement, putain, mais c'est excellent, mon gars. Il me semble que j'avais déjà vu une image comme ça d'un bébé raie et tout, mais c'est terrible quand même, hein. La nature est bien faite, quoi. Ah ouais, regardez ça, mais c'est excellent, quoi. C'est terrible, franchement. C'est mignon, quand même, hein. J'ai envie d'avoir un bébé raie chez moi. Regardez ça. Putain. Quand tu commandes Michael Jackson sur Wish et tu reçois Michael Jackson. Elle est terrible, franchement. Ils font pas que de la merde sur Wish, hein, franchement, faut arrêter. Hein. Bon, il y a beaucoup de merde quand même. Mais il y a quand même des trucs qui sont bien. Soit ce mec va littéralement s'exploser la gueule, soit ce mec c'est Jésus. Franchement, je sais pas. À mon avis, peut-être que la glace n'est pas fondue là où le mec plonge. Peut-être, je sais pas. Je dirais quand même que l'autre va littéralement s'exploser la gueule, tu vois, mais j'ai un doute. Peut-être que l'autre, c'est Jésus. Pourquoi j'ai rigolé à ça, moi? Pourquoi? EA Sport. Tiny Game. Je le fais bien. J'ai avalé un cintre. Il passe pas sa mère. Les frères Bogdanov. Oh, ça me dit quelque chose. Donc il galère. Ah ouais, ok, d'accord. C'est terrible. Avec la petite musique derrière et tout. C'est quoi ça? What the fuck? J'attends avec la déformation du son et tout. Putain, mon gars! C'est chaud, quoi! Le truc, il est démoniaque! Lorsqu'il se sent menacé, le pape peut cracher du venin jusqu'à 150 mètres. On croirait pas, reportage sur Arte. Putain, vous avez envoyé pas mal de vidéos, hein? Baguette. J'adore franchement les vidéos comme ça, tu sais, c'est des vidéos ultra courtes, tu vois, mais ça me fait marrer un truc de ouf, quoi. Va falloir ouvrir un salon spécial pour tout ce type de vidéos, des vidéos ultra courtes et drôles. Oh, excellent, un repas spécial Minecraft, mon gars, putain, ça donne faim tout ça, quoi. On croirait un vrai repas de Noël. D'ailleurs, c'est bientôt Noël, va falloir que je pense à changer le décor, je suis encore à Halloween. AirPod Bio, à 1499€ seulement. Putain, c'est bien fait, franchement. Excellent, c'est une tige d'oignon, quoi. On dirait vraiment un AirPod. Au restaurant, voulez-vous une table? Non, non, pas du tout. Je suis venu ici pour manger sur la moquette. Une moquette pour 5, s'il vous plaît. C'est rare en même temps, quoi, tu vois. Tu vas au restaurant, on te demande si tu veux une table. C'est un peu con, quoi. Un hibou se casse une patte. Maintenant, il boite. Il boite. Oh, putain. Le what the fuck à la fin, quoi. You probably say it a million times a day. You probably say it a million times a day.
Terrible quoi. Attention aux chiens, mais faites aussi attention aux chats car il est un peu bizarre aussi. Ah ouais, effectivement. Putain, je l'avais même pas vu, tu vois, je regardais le truc là. Ce brave homme like toutes les voitures qui passent depuis une heure, respect. Je crois que celle-ci, je l'avais déjà vue dans la vidéo précédente, il me semble, ou alors dans une autre vidéo ou quoi, mais ouais, elle est terrible. Il like toutes les voitures qui passent. Tu as pensé au pain ? Putain de merde. Ça me fait marrer, moi, ces conneries-là. Excellent. Qu'est-ce qui va nous faire Shinobi ? Fallait être con quand même. Ah ouais, fallait être con là. Ça se trouve, il a fait exprès. Il a pas l'air d'avoir fait exprès, c'est ça le plus inquiétant. Bon écoutez, on peut pas tous les regarder parce que franchement, il y a eu de nombreuses participations. En tout cas, vraiment, merci à tous, ça fait super plaisir. Et pour la prochaine vidéo, ce serait vraiment super génial si vous pouvez me faire un salon spécial. Petite vidéo courte comme on a regardé. Vous savez, des vidéos qui font 6 secondes, 10 secondes. Je vous laisse bien sûr aller checker le Discord. N'oubliez pas que vous pouvez le rejoindre dans la description. Et vous pouvez aussi acheter vos jeux moins chers sur G2A. Avec le petit code Jolat, vous faites des économies. Tout est dans la description. Bon les potes, n'oubliez pas le like si vous avez kiffé la vidéo. Abonnez-vous, activez la petite clochette des notifications. On se dit à bientôt pour de prochaines aventures. Et ciao tout le monde. Bye! Je vous avais dit qu'il faisait aussi ASMR le micro. Titi.